l'autobus tantôt. Oui. Là. L'autobus, là, moi, puis un surtout de mes frères, là, nous autres, l'autobus, on l'a vu verser. Ah oui. L'autobus, quand ça descendait, c'était comme un tremblement de terre à une vitesse excessive. Puis nous autres, l'autobus, on l'entendait à tous les jours, l'autobus. À tous les jours. On l'attendait quand on descendait. Là. Puis là, c'était pas le même son que d'habitude. Là. Mais puis là, on l'a vu arriver, l'autobus, elle descendait. Puis le gars, il a essayé de tourner, s'en aller vers Québec. Okay. Ça fait en allant, il s'en allait de même. L'autobus, elle a versé comme ça, sur le côté. Elle a glissé sur le chemin, puis sur le terrain. Puis elle a été frappée, dans ce temps-là, c'était des pompes à gaz, là. Avez-vous vu ça? Trop jeune, j'ai pas vu ça. Trop jeune, oui. Oui, avec un bras, là, avec des globes, c'était des globes en verre. Puis c'était à peu près haut de même. Puis ça le restait dans un gallon, deux gallons, trois gallons, etc. Puis l'autobus, elle a versé, puis elle a accroché les pompes, là. Okay. Puis le feu, il n'a pas pris immédiatement, là. Tout d'un coup, pouf! Il y avait ce qu'on appelle, là, un toit, là, sur un porche. Okay. Il y avait un porche. L'explosion a fait élever le porche. Puis là, il y avait des gens autour, là, le garage, il y avait là, c'est un bureau, là. Okay. Avec ce bureau, là, eux autres, ils ont cassé la vitre en arrière. Puis les gens sortaient par là, là dans l'autobus. Il y a eu une couple, il me semble que c'est deux morts. Il y a eu deux morts, il aurait pu en avoir plus que ça. Okay. Mais tu sais, ça sortait par la vitre de l'arrière. Il n'était pas capable de sortir par en haut, là. Non, il sortait par en arrière. Par en arrière. Ça fait que tu sauras que. Parce que les gars, ils étaient au risque de leur vie, là. Ils ne sont pas rendus compte de ça sur le moment, là. Mais il reste que c'était ça. L'explosion, mais là, il reste que l'explosion était faite. Mais là, vous, par rapport à votre garage familial, là... Ben oui, nous autres, on voyait rien, nous autres, là. C'est à côté, tout près, là? Nous autres, ben oui, le garage noir qu'il y a aujourd'hui, là. Oui. Ben nous autres, à Montréal, on le voyait bien, le magasin, là. Hein? On avait entendu descendre l'autobus. Parce que là, c'est là où est-ce qu'il y a la coop présentement, qu'il y avait les postes d'essence. Non. Non? C'est le magasin. La quincaillerie. La quincaillerie qui a l'essence. La quincaillerie. Le garage qui est là, la coop, il était déjà là. Okay. Mais le propriétaire, Lucien Bureau, c'était le propriétaire du garage. Okay. Ça fait que lui, il est arrivé, écoute, hein? Mais je pense qu'on l'a vu, nous autres, à moins qu'il l'aurait vu descendre, lui, mais je pense que nous autres, on l'a vu encore parce qu'on l'entendait, puis c'était pas normal, puis on a jeté un coup d'œil, on l'a vu arriver, puis on l'a vu glisser. Okay. On l'a vu, nous autres, on l'a vu ça. Il n'y a personne qui pouvait avoir vu mieux que nous autres. Okay. Dans l'autobus, il y avait des gens de Saint-Sébastien. Okay. Il y avait une couple de personnes de Saint-Sébastien. Mais ça, là, je suis pas capable, j'ai ma mémoire pas bonne là-dessus. Là. Okay. Je sais qu'il y a eu deux décès. Le chauffeur était décédé. Et puis, nous autres au garage, on connaissait quelqu'un qui connaissait le chauffeur. Okay. Mais il y avait déjà des problèmes avec ce genre de transport-là. Parce qu'il y avait des problèmes, les gars. Puis le chauffeur, il a fait tout ce qu'il pouvait pour sauver la famille. S'il n'y avait pas eu de gaz, il était correct. Okay. Il n'y aurait pas eu de mort. Okay. S'il n'y avait pas eu de gaz, il n'y aurait pas eu de mort. Okay. C'est l'explosion, c'est le gaz qui a fait le dégât. D'accord. Parce qu'il a versé, puis... Pshhh, c'est un allié. Ah, tout va, c'est beau, ça. Ah, ouais. Mais donc, après ça, les commerces d'aujourd'hui, ben ils ont pris souvent naissance de ces anciens commerces-là. Oui, c'est des autres générations qui ont pris le relais. Oui, oui. Okay. Parce que le magasin, là, Gilles-Roy, c'était une belle bâtisse, ça. Parce que lui, les rouillards, eux autres-là, ils ont tout ça. Les photos de ça, là. Okay. C'est beau, c'était des belles bâtisses. Ça l'a brûlé. Il a brûlé trois ou quatre maisons, là. Mm-hmm. En 40. Vois-tu, en 48, le désastre d'autobus, c'était en 48. OK. Puis après, ça a été le désastre des rois, là. Des rois? Des rois. Okay. Il me semble que c'est la même année. Je ne jurerai pas ça, là. On va vérifier. Il me semble que c'est la même année. Parce que, oui, le feu, il a pris chez le magasin Rouet, là. OK. Oui.